Bonjour et bienvenue ce matin sur Rendez-vous Vintage TV Show. Ce matin, nous assistons à la dernière journée de l'événement Les Belles Anglaises qui a lieu au Sable d'Olonne et nous sommes actuellement sur le site de Prieuré Saint-Nicolas à La Chaume. Voilà, donc là derrière moi, vous pouvez avoir une Daimler 1965. Voilà, avec le drapeau anglais pour toile de fond. Voilà. On va continuer à faire le tour là toute cette matinée. Il va y avoir un long programme, il va y avoir un défilé des voitures voilà, en ville et une exposition des voitures. Voilà, donc pour le programme d'aujourd'hui dont la manifestation se terminera vers 17h. Bien, bonjour monsieur. Bonjour Philippe. Bonjour Philippe, bonjour. Moi c'est Olivier. On s'était vu déjà vendredi. Vous êtes le propriétaire d'une Maurice Mill Travelers. Oui, c'est ça. Travelers, la Woody, oui. Exactement. Le petit break. Exactement. Et alors donc, racontez-moi, parce que moi hier, j'étais pas au déplacement touristique. Alors racontez-moi un petit peu la belle journée. Ah bah hier c'était une très très belle journée en direction du marais breton vendéen, oui. En direction de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Saint-Jean-de-Mont, Labardement, et puis tous ces marais, la nature. On a visité donc le Davio, c'est un écomusée, avec la flore, la faune. On a eu un guide qui était vraiment très passionné. D'accord. Et puis bon, il y a eu un apéritif, il y a eu un repas, un pique-nique avec des produits locaux, oui. Très bonne ambiance. Un beau temps et le retour c'était par les petites routes encore en longeant parfois la côte et puis un petit arrêt à la Normandelière où là il y a eu une petite collation beaucoup de participants, bonne humeur, oui c'est ce que j'ai ressenti. Donc pour les gens qui ne sont pas de la région, ils ont pu découvrir vraiment le bocage, les marais, oui. Vraiment dans un bon esprit. D'accord. Avec de très belles autos, de la petite voiture populaire jusqu'aux voitures de prestige, Rolls, Bentley, Jaguar. Nice. C'est ça qui est intéressant. Oui. Cette association de belles anglaises, c'est qu'on a toutes les catégories, des petits cabriolets, des grosses berlines, oui. Et puis les gens sont décontractés. Oui, c'est ça, c'est vraiment le sentiment que l'on a ici. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc je pense que les gens étaient ravis hier et que l'organisatrice. Françoise aussi. Oui, Françoise, oui, tout à fait. Et aujourd'hui, ça va être un petit peu différent. Là, il y a de très belles tenues, oui. Au vestimentaire, aujourd'hui dimanche, avec la présentation des voitures sur le chenal à La Chaume. Oui. Donc toutes les voitures seront présentes au public. Voilà. Et là, on s'apprête à faire une petite balade côtière en voiture. D'accord. Sur en direction de Brême, la forêt de Manial de Sauveterre et de. D'accord. Ça va être une petite balade plus courte. Mais... D'accord. Ok. Bon, très bien. Je vous remercie encore de votre interview. Et puis, bonne journée. Hein. Merci. Merci. Bientôt, au revoir. À bientôt. Au revoir. Voilà, donc nous continuons le tour ce matin au Prieuré Saint-Nicolas au Sable d'Olonne sur l'événement Les Belles Anglaises. Comme on peut voir, il y a beaucoup de monde qui ont joué le jeu d'être en mode anglais. Voilà, les messieurs, les dames, les messieurs dames en mode écossaise. Hello everyone. Super. En tout cas, vous êtes parfait. Ah ouais, c'est clair, hein. Vous êtes parfait, vous êtes super. Bravo. Merci. Félicitations. Donc voilà, donc c'est un bel événement là, donc qui se termine aujourd'hui. Là ici, là-bas on peut voir encore des jaguars, donc le plan des jaguars anciens et modernes. Là-bas on a une au loin, je vais essayer d'agrandir un petit peu et je vais venir là, c'est une Rover. Alors ça c'est un modèle assez mythique des années 60. Voiture gouvernementale mais aussi voiture prisée par souvent les braqueurs de banque parce que en fait c'était une voiture très rapide avec un V6 donc voilà voilà donc tout le monde a joué le jeu au niveau des vêtements, ça c'est magnifique, c'est la moindre des choses en effet. Voilà. Bienvenue sur Vendée Vintage TV Show, c'est magnifique, vous avez vraiment bien joué
le jeu hein, en étant habillé comme il se doit. Donc bravo. Alors voilà, donc là j'enregistre, hein, vous pouvez dire quelque chose. Hein. Nous sommes très heureux. Il fait beau aujourd'hui sur les Sables d'Olonne. Exactement, c'est parfait. Bah, moi je vais vous accompagner aujourd'hui. Je m'appelle Georges Pierre. D'accord, moi c'est Olivier, voilà, du Vendée Vintage TV Show. Ma couturière. D'accord, super. Eh bien, vous êtes vraiment très bien, parfait. Merci. Et Margot. D'accord. Allez, bon rassemblement. Donc là, on continue, on entend les coups de sifflet, c'est le rappel. Donc voilà, là le départ va être donné. Et voilà. Donc l'organisation, les... Donc là, on continue à faire un petit peu le tour. Donc là ici les fameux goodies pour l'événement, donc les belles anglaises, on peut voir ici et là, les drapeaux, les casquettes, les magnettes, bref. Donc là le départ va être donné. Bonjour. Bonjour Madame Pouzin. Vous allez bien? Oui, et vous? Alors, dites-moi. Mais là-bas, voir les voitures partir. Mettez-vous au départ. Donc, belle journée là aujourd'hui. Ah, oh, superbe journée. Voilà, superbe. Bon, ben, on a de la chance hein, au Sable d'Olonne là aujourd'hui à la Chaume. Voilà. Ah oui, mais c'était commandé. Hein, ouais, c'était commandé. Il fait toujours beau. C'est super, en tout cas, on a de belles beaux équipages ce matin. J'ai pu revoir encore des personnes que j'ai rencontrées. Un plateau magnifique. Ouais, exactement. Magnifique. Eh bien, bonne journée. Merci. Hein, et merci pour l'organisation. Voilà, merci. Nous assistons là, ici, à bientôt au départ des voitures, des anglaises. Ah, ici, nous pouvons voir une Daimler avec un magnifique, on peut voir le magnifique moteur. On continue. Ici, tout droit, les Mini. Voiture ô combien légendaire, ô combien populaire. Il y en a qui sont connus là. Vraiment, là ce matin on peut voir vraiment tout le monde qui est là. Donc apparemment l'heure du départ est sonnée. Bonjour. Et voilà, donc là, le départ va être donné pour le grand show. Donc il va y avoir une balade sur la côte. Voilà, la Maurice Travelers, encore une fois. Voilà, le Trayon. Enfin, voilà, toutes les voitures sont là. On entend là ici le bruit caractéristique d'une Austin Healey. Austin Healey 3000. Donc là, et avec double échappement. Alors, encore une autre Austin Healey 3000. Donc là, on sent que tout le monde s'impatiente là.
Salut.